monsieur. Mademoiselle Marton est chez madame et ne tardera pas à descendre. Je vous suis obligé. Si vous le désirez, je vous tiendrai compagnie, de peur que l'ennui ne vous prenne. Nous discourrons en attendant. Je vous remercie, ce n'est pas la peine. Ne vous détournez point. Voyez, monsieur, n'en faites point de façon. Nous avons ordre de madame d'être honnête. Et vous êtes témoin que je le suis. Non, vous dis-je. Je serais bien aise d'être un moment seul. Excusez, monsieur. Demeurez à votre convenance. Ah, te voilà. Oui, je vous guettais. J'ai cru que je ne pourrais me débarrasser d'un domestique qui m'a introduit ici et qui voulait absolument me désennuyer. En restant. Dis-moi, monsieur Rémy n'est donc pas encore venu? Non, mais voici l'heure à peu près qu'il vous a dit qu'il arriverait. N'y a-t-il là personne qui nous voit ensemble? Il est essentiel que les domestiques ici ne sachent pas que je vous connaisse. Je ne vois personne. Vous n'avez rien dit de notre projet à monsieur Rémy, votre parent? Pas le moindre mot. Il me présente de la meilleure foi du monde en qualité d'intendant à cette dame-ci dont je lui ai parlé et dont il se trouve le procureur. Il ne sait point du tout que c'est toi qui m'as adressé à lui. Il l'a prévint hier. Il m'a dit que je me rendisse ce matin ici, qu'il me présenterait à elle, qu'il y serait avant moi, ou que s'il n'était pas encore, je demandasse une mademoiselle Marton. Voilà tout. Et je n'aurai garde de lui confier notre projet, non plus qu'à personne. Il me paraît extravagant à moi qui m'y prête. Je n'en suis pas moins sensible à ta bonne volonté, tu vois. Tu m'as servi, je n'ai pu te garder, je n'ai pu même te bien récompenser de ton zèle. Malgré cela, il t'est venu dans l'esprit de faire ma fortune. En vérité, il n'est point de reconnaissance que je ne te doive. Laissons cela, monsieur. Tenez en un mot, je suis content de vous. Vous m'avez toujours plu. Vous êtes un excellent homme, un homme que j'aime. Et si j'avais bien de l'argent, il serait encore à votre service. Quand pourrais-je reconnaître tes sentiments pour moi? Ma fortune serait la tienne. Mais je n'attends rien de notre entreprise que la honte d'être renvoyé demain. Eh bien, vous vous en retournerez. Cette dame-ci a un rang dans le monde. Elle est liée avec tout ce qu'il y a de mieux. Veuve d'un mari qui avait une grande charge dans les finances. Et tu crois qu'elle fera quelque attention à moi? Que je l'épouserai, moi, qui ne suis rien, moi qui n'ai point de bien. Point de bien? Votre bonne mine est un pérou. Tournez-vous un peu que je vous considère encore. Allons, monsieur, vous vous moquez. Il n'y a point de plus grand seigneur que vous à Paris. Voilà une taille qui vaut toutes les dignités possibles. Et notre affaire est infaillible, absolument infaillible. Il me semble que je vous vois déjà en déshabillé dans l'appartement de madame. Quelle chimère! Ah oui, je le soutiens. Vous êtes actuellement dans votre salle et vos équipages sont sous la remise. Elle a plus de 50 000 livres de rente, Dubois. Vous en avez bien 60, pour le moins. Et tu me dis qu'elle est extrêmement raisonnable. Et tant mieux pour vous et tant pis pour elle. Si vous lui plaisez, elle en sera si honteuse, elle se débattra tant, elle se sentira si faible qu'elle ne pourra se soutenir qu'en épousant. Vous m'en direz des nouvelles. Vous l'avez vue et vous l'aimez. Je l'aime avec passion. Et c'est ce qui fait que je tremble. Vous m'impatientez avec vos terreurs. Et que Dieu entre un peu de confiance. Vous réussirez, vous dis-je. Je m'en charge. Je le veux. Je l'ai mis là. Nous sommes convenus de toutes nos actions. Toutes nos mesures sont prises. Je connais l'humeur de ma maîtresse, je sais votre mérite, je sais mes talents, je vous conduis et on vous aimera toute raisonnable qu'on est. On vous épousera toute fière qu'on est et on vous enrichira tout ruiné que vous êtes. Entendez-vous? Fierté, raison et richesse, il faudra que tout se rende. Quand l'amour parle, il est le maître. Et il parlera. Adieu, je vous quitte, j'entends quelqu'un, c'est peut-être monsieur Rémy. Nous voilà embarqués, poursuivons. À propos, tâchez que Marton prenne un peu de goût pour vous. L'amour et moi, nous ferons le reste. Bonjour, mon neveu. Ah. Je suis bien aise de vous voir exact. Mademoiselle Marton va venir, on est allé l'avertir. La connaissez-vous? Non, monsieur, pourquoi me le demandez-vous? C'est qu'en venant ici, j'ai rêvé à une chose. Elle est jolie, au moins.
Je le crois. Et de fort bonne famille. C'est moi qui ai succédé à son père. Il était fort ami du vôtre. Homme un peu dérangé, sa fille est restée sans bien. La dame d'ici a voulu la voir. Elle l'aime. La traite bien moins en suivante qu'en amie. Lui a fait beaucoup de bien et lui en fera encore. Et a offert même de la marier. Marton a d'ailleurs une vieille parente asthmatique dont elle irrite et qui est à son aise. Vous allez être tous deux dans la même maison. Je suis d'avis que vous l'épousiez. Qu'en dites-vous? Mais je ne pensais pas à elle. Eh bien, je vous avertis d'y penser. Tâchez de lui plaire. Vous n'avez rien, mon neveu. Je dis rien qu'un peu d'espérance. Vous êtes mon héritier, mais je me porte bien. Et je ferai durer cela le plus longtemps que je pourrai. Sans compter que je puis me marier. Oh, je n'en ai point d'envie, mais cette envie-là vient tout d'un coup. Il y a tant de Minois qui vous la donnent. Avec une femme, on a des enfants. C'est la coutume. Auquel cas, serviteur au collatéral. Ainsi, mon neveu, prenez toujours vos petites précautions et vous mettez en état de vous passer de mon bien que je vous destine aujourd'hui, mais que je vous ôterai demain, peut-être. Vous avez raison, mon oncle. Et c'est aussi à quoi je vais travailler. Je vous y exhorte. Voici Mademoiselle Marton. Éloignez-vous de deux pas pour me donner le temps de lui demander comment elle va. Allez, allez. Je suis fâchée, monsieur, de vous avoir fait attendre, mais j'avais affaire chez madame. Il n'y a pas grand mal, mademoiselle. J'arrive. Que pensez-vous de ce grand garçon-là? Monsieur Rémy, par quelle raison faut-il que je vous le dise? Mais c'est qu'il est mon neveu. Eh bien, ce neveu-là est bon à montrer. Il ne départ point la famille. Tout de bon. Et c'est de lui dont j'ai parlé à madame pour intendant. Je suis charmé qu'il vous revienne. Il vous a déjà vu plus d'une fois chez moi quand vous y êtes venu. Vous en souvenez-vous? Non, je n'en ai point d'idée. On ne prend pas garde à tout. Savez-vous ce qu'il me dit la première fois qu'il vous vit? Quelle est cette jolie fille-là? Approchez, mon neveu. Mademoiselle, votre père et le sien s'aimaient beaucoup. Pourquoi les enfants ne s'aimeraient-ils pas? En voilà un qui ne demande pas mieux. C'est un cœur qui se présente bien. Il n'y a rien là de difficile à croire. Voyez comme il vous regarde. Vous ne feriez pas là une si mauvaise emplette? J'en suis persuadée. Monsieur prévient en sa faveur. Et il faudra voir. Bon, bon, il faudra. Je ne m'en irai point que cela ne soit vu. Je craindrais d'aller trop vite. Vous importunez, mademoiselle, monsieur. Je n'ai pourtant pas l'air si indocile. Ah, je suis bien content. Ah, vous voilà d'accord. Oh, ça, mes enfants. Je vous fiance. En attendant mieux. Je ne saurais rester, je reviendrai tantôt. Je vous laisse le soin de présenter votre futur à madame. Adieu, ma nièce. Adieu donc, mon oncle. En vérité, tout ceci a l'air d'un songe. Comme monsieur Rémy expédie. Votre amour me paraît bien prompt. Sera-t-il aussi durable? Autant l'un que l'autre, mademoiselle. Il s'est trop hâté de partir. J'entends madame qui vient. Et comme, grâce aux arrangements de monsieur Rémy, vos intérêts sont presque les miens, ayez la bonté d'aller un moment sur la terrasse afin que je la prévienne. Et volontiers, mademoiselle. J'admire ce penchant dont on se prend tout d'un coup l'un pour l'autre. Marton,
Quel est donc cet homme qui vient de me saluer si gracieusement et qui passe sur la terrasse? Est-ce à vous qu'il en veut? Non, madame, c'est à vous-même. Eh bien, qu'on le fasse venir, pourquoi s'en va-t-il? C'est qu'il a souhaité que je vous parlasse auparavant. C'est le neveu de monsieur Rémy, celui qu'il vous a proposé pour homme d'affaires. Ah, c'est là lui. Il a vraiment très bonne façon. Il est généralement estimé, je le sais. Je n'ai point de peine à le croire, il a tout l'air de le mériter. Mais Marton, il a si bonne mine pour un intendant que je me fais quelques scrupules de le prendre. N'en dira-t-on rien? Et que voulez-vous qu'on dise? Est-on obligé de n'avoir que des intendants mal faits? Tu as raison. Dis-lui qu'il revienne. Il n'était pas nécessaire de me préparer à le recevoir dès que c'est monsieur Rémy qui me le donne. C'en est assez. Je le prends. Vous ne sauriez mieux choisir. Êtes-vous convenu du parti que vous lui faites? Monsieur Rémy m'a chargé de vous en parler. Cela est inutile. Dès que c'est un honnête homme, il aura lieu d'être content. Appelez-le. On lui laissera ce petit appartement qui donne sur le jardin, n'est-ce pas? Mais oui, comme il voudra. Qu'il vienne. Monsieur Dorante? Madame vous attend. Venez, monsieur. Je suis obligée à monsieur Rémy d'avoir songé à moi. Puisqu'il me donne son neveu, je ne doute pas que ce ne soit un présent qu'il me fasse. Un de mes amis me parla avant-hier d'un intendant qu'il doit m'envoyer aujourd'hui, mais je m'en tiens à vous. J'espère, madame, que mon zèle justifiera la préférence dont vous m'honorez et que je vous supplie de me conserver. Rien ne m'affligerait tant à présent que de la perdre. Madame n'a pas de parole. Non, monsieur, c'est une affaire terminée, je renverrai tout. Vous êtes au fait des affaires, apparemment. Vous y avez travaillé. Oui, madame, mon père était avocat et je pourrais l'être moi-même. C'est-à-dire que vous êtes un homme de très bonne famille et même au-dessus du parti que vous prenez. Je ne sens rien qui m'humilie dans le parti que je prends, madame. L'honneur de servir une dame comme vous n'est au-dessous de qui que ce soit. Et je n'envierai la condition de personne. Mes façons ne vous feront point changer de sentiment. Vous trouverez ici tous les égards que vous méritez. Et si dans les suites il y avait occasion de vous rendre service, je ne la manquerai pas. Voilà, madame, je la reconnais. Il est vrai que je suis toujours fâchée de voir d'honnêtes gens sans fortune, tandis qu'une infinité de gens de rien et sans mérite en ont une éclatante. C'est une chose qui me blesse. Surtout dans les personnes de son âge. Car vous n'avez que 30 ans, tout au plus? Pas tout à fait encore, madame. Ce qu'il y a de consolant pour vous, c'est que vous avez le temps de devenir heureux. Je commence à l'être aujourd'hui, madame. On vous montrera l'appartement que je vous destine. S'il ne vous convient pas, il y en a d'autres, et vous choisirez. Il faut aussi quelqu'un qui vous serve, et c'est à quoi je vais pourvoir. Qui lui donnerons-nous, Marton? Il n'y a qu'à prendre Arlequin, madame. Je l'entends qui vient à propos. Voici votre marchande qui vous apporte des étoffes, madame. Arlequin, oui. Vous êtes à présent un monsieur. Vous le servirez. Je vous donne à lui. Comment, madame? Vous me donnez à lui? Est-ce que je ne serai plus à moi? Maintenant, la personne ne m'appartiendra donc plus. Quel bonnet. J'entends qu'au lieu de me servir, ce sera lui que tu serviras. C'est pas pourquoi madame me donne mon congé. Je n'ai pas mérité ce traitement. Je l'ai toujours servi à faire plaisir. Je ne te donne point ton congé. Je te paierai pour être un monsieur. Je présente à madame que ça ne serait pas juste. Je ne donnerai pas la peine d'un côté tandis que l'argent me viendra d'un autre. Il faut que vous ayez mon service puisque j'aurai vos gages. Autrement, je me fripanerai, madame. Je désespère de lui faire entendre raison. Tu es bien sot. Quand je t'envoie quelque part ou que je te dis fais telle ou telle chose, n'obéis-tu pas? Toujours? Eh bien, ce sera monsieur qui te le dira comme moi, et ce sera à la place de madame et par son ordre. Ah! C'est une autre affaire! C'est madame qui donnera ordre à monsieur de souffrir mon service que je lui prêterai sur le commandement de madame. Voilà ce que c'est. Vous voyez que cela méritait explication. Je vais voir ces étoffes et je reviendrai. Monsieur, j'ai à vous parler d'une affaire. Ne vous éloignez pas. Alors ça, monsieur, nous sommes donc l'un à l'autre. Et vous avez le pas sur moi. Je serai le valet qui sert, et vous le valet qui serez servi par ordre. Ce faquin avec ses comparaisons. Va-t'en. Un moment, avec votre permission.
Monsieur, ne paierez-vous donc rien? Vous a-t-on donné ordre d'être servi gratis? Allons, laisse-nous. Madame te paiera, n'est-ce pas assez? Pardi, je ne vous coûterai donc guère. On ne saurait avoir valé un meilleur marché. Arlequin a raison. Tiens. Voilà d'avance ce que je te donne. Voici une action de maître. À votre aise, le reste. Allez, va boire à ma santé. S'il ne faut que boire afin qu'elle soit bonne, tant que je vivrai, je vous la promets excellente. Le gracieux camarade qui m'est venu là par hasard. Vous avez lieu d'être satisfait de l'accueil de madame? Elle paraît faire cas de vous. Et tant mieux. Nous n'y perdons point. Mais voici madame Argante. Je vous avertis que c'est sa mère et je devine à peu près ce qui l'amène. Eh bien, Marton, ma fille a un nouvel intendant que son procureur lui a donné, m'a-t-elle dit? J'en suis fâchée. Cela n'est point obligeant pour monsieur le comte qui lui en avait retenu un. Du moins, devait-elle attendre, aller voir tous deux. D'où vient? Préférez celui-ci? Quelle espèce d'homme est-ce? C'est monsieur, madame. C'est monsieur. Je ne m'en serais pas douté. Il est bien jeune. À 30 ans, on est en âge d'être intendant de maison, madame. C'est selon. Êtes-vous arrêté, monsieur? Oui, madame. Et de chez qui sortez-vous? De chez moi, madame. Je n'ai encore été chez personne. De chez vous? Vous allez donc faire ici votre apprentissage? Point du tout. Monsieur entend les affaires. Il est fils d'un père extrêmement habile. Je n'ai pas grande opinion de cet homme-là. Cela a la figure d'un intendant. Il n'en a non plus l'air. L'air n'y fait rien. Je vous réponds de lui. C'est l'homme qu'il nous faut. Pourvu que monsieur ne s'écarte pas des intentions que nous avons, il me sera indifférent que ce soit lui ou un autre. Peut-on savoir ses intentions, madame? Connaissez-vous monsieur le comte d'Orimont? C'est un homme d'un beau nom. Ma fille et lui allaient avoir un procès ensemble, au sujet d'une terre considérable. Il ne s'agissait pas moins que de savoir à qui elle resterait. Et on a songé à les marier pour empêcher qu'ils ne plaident. Ma fille est veuve d'un homme qui était fort considéré dans le monde. Et qu'il a laissé fort riche. Mais madame la comtesse d'Orimont aurait un rang si élevé, irait de pair avec des personnes d'une si grande distinction, qu'il me tarde de voir ce mariage conclu. Et je l'avoue, moi-même je serais charmée d'être la mère de madame la comtesse d'Orimont. Et de plus que cela, peut-être. Car monsieur le comte d'Orimont est en passe d'aller à tout. Les paroles sont-elles données de part et d'autre? Pas tout à fait encore, mais à peu près. Ma fille n'en est pas éloignée. Elle souhaiterait seulement être bien instruite de l'état de l'affaire et savoir si elle n'a pas meilleur droit que monsieur le comte. Afin que si elle l'épouse, il y en ait plus d'obligations. Mais j'ai peur, quelquefois, que ce ne soit une défaite. Ma fille n'a qu'un défaut. C'est que je ne trouve pas assez d'élévation. Le beau nom de d'Orimont est
Le rang de comtesse ne la touche pas assez. Elle ne sent pas le désagrément qu'il y a de n'être qu'une bourgeoise. Elle s'endort dans cet état, malgré le bien qu'elle a. Peut-être n'en sera-t-elle pas plus heureuse si elle en sort. Il ne s'agit pas de ce que vous en pensez. Gardez votre petite réflexion roturière. Et servez-nous, si vous voulez être de nos amis. C'est un petit trait de morale qui ne gâte rien à notre affaire. Morale subalterne. Qui me déplaît. De quoi est-il question, madame ? De dire à ma fille, quand vous aurez vu ses papiers, que son droit est le moins bon. Que si elle plaidait, elle perdrait. Mais madame, il n'y aurait point de probité à la tromper. Quel esprit borné. Vous n'y êtes point. Ce n'est pas là ce qu'on vous dit. On vous charge de lui parler ainsi, indépendamment de son droit, bien ou mal fondé. Madame, il y aura toujours de la mauvaise foi de ma part. De la mauvaise foi? Je manque donc, moi? Quel raisonnement? C'est moi qui suis sa mère et qui vous ordonne de la tromper à son avantage. Entendez-vous? Oui, madame. C'est un ignorant que cela, qu'il faut renvoyer. Adieu, monsieur l'homme d'affaires, qui n'avait fait celle de personne. Cette mère-là ne ressemble guère à sa fille. Oui, il y a quelques différences. Et je suis fâchée de n'avoir pas eu le temps de vous prévenir sur son humeur brusque. Elle est extrêmement entêtée de ce mariage, comme vous voyez. Au surplus, que vous importe ce que vous direz à la fille dès que la mère sera votre garant. Vous n'aurez rien à vous reprocher, ce me semble. Ce ne sera pas là une tromperie. Et vous m'excuserez. Ce sera toujours l'engager à prendre un parti qu'elle ne prendrait peut-être pas sans cela. Puisque l'on veut que j'aide à l'y déterminer, elle y résiste donc? C'est par indolence. Croyez-moi, disons la vérité. Ossa, il y a une petite raison à laquelle vous devez vous rendre. C'est que monsieur le comte me fait présent de 1000 écus le jour de la signature du contrat. Et cet argent-là, suivant le projet de monsieur Rémy, vous regarde aussi bien que moi, comme vous voyez. Tenez, mademoiselle Barton, vous êtes la plus aimable fille du monde. Mais ce n'est que faute de réflexion que ces 1000 écus vous tentent. Au contraire, c'est par réflexion qu'ils me tentent. Plus j'y rêve et plus je les trouve bons. Mais vous aimez votre maîtresse. Et si elle n'était pas heureuse avec cet homme-là, ne vous reprocheriez-vous pas d'y avoir contribué pour une si misérable somme? Ma foi, vous avez beau dire. D'ailleurs, le comte est un honnête homme et je n'y entends point de finesse. Madame Bien, elle a à vous parler, je me retire. Méditez sur cette somme, vous la coûterez aussi bien que moi. Je ne suis plus si fâché de la tromper. Vous avez donc vu ma mère? Oui, madame, il n'y a qu'un moment. Elle me l'a dit. Et voudrait bien que j'en eusse pris un autre que vous. Il me l'a fait. Oui. Mais ne vous embarrassez pas. Vous me convenez. Je n'ai point d'autre ambition. Parlons de ce que j'ai à vous dire. Mais que ceci soit secret entre nous, je vous prie. Je me trahirai plutôt moi-même. Je n'hésite pas non plus à vous donner ma confiance. Voici ce que c'est. On veut me marier avec monsieur le comte d'Orimont pour éviter un grand procès que nous aurions ensemble au sujet d'une terre que je possède. Je le sais, madame.
Et j'ai le malheur d'avoir déplu tout à l'heure là-dessus à Madame Argante. Et d'où vient? C'est que si dans votre procès vous avez le bon droit de votre côté, on souhaite que je vous dise le contraire afin de vous engager plus vite à ce mariage. Et j'ai prié qu'on m'en dispense ça. Que ma mère est frivole. Votre fidélité ne me surprend point. J'y comptais. Faites toujours de même. Et ne vous choquez pas de ce que ma mère vous a dit, je la désapprouve. A-t-elle tenu quelques discours désagréables? Il n'importe, madame. Mon zèle et mon attachement en augmentent, voilà tout. Et voilà pourquoi aussi je ne veux pas qu'on vous chagrine et j'y mettrai bon ordre. Qu'est-ce que cela signifie? Je me fâcherai si cela continue. Comment donc? Vous ne seriez pas en repos. On aura de mauvais procédés avec vous parce que vous en avez d'estimables. Cela serait plaisant. Madame, par toute la reconnaissance que je vous dois, n'y prenez point garde. Je suis confus de vos bontés. Et je suis trop heureux d'avoir été querellé. Je loue vos sentiments. Revenons à ce procès dont il est question. Si je n'épouse pas, monsieur le comte... Madame la marquise se porte mieux, madame. Et vous êtes fort obligée. Fort obligée... de votre attention. Voilà qui est bien. Madame, on m'a chargé aussi de vous dire un mot. Qui presse? De quoi s'agit-il? Il m'est recommandé de ne vous parler qu'en particulier. Je n'ai point achevé ce que je voulais vous dire. Laissez-moi, je vous prie un moment et revenez. Qu'est-ce que c'est donc cet air étonné que tu as marqué, ce me semble, en voyant Dorante? D'où vient cette attention à le regarder? Ce n'est rien, sinon que je ne saurais plus avoir l'honneur de servir madame, et qu'il faut que je lui demande mon congé. Quoi? Seulement pour avoir vu Dorante ici? Savez-vous à qui vous avez affaire? Au neveu de monsieur Rémy, mon procureur. Et par quel tour d'adresse est-il connu de madame? Comment a-t-il fait pour arriver jusqu'ici? Mais c'est monsieur Rémy qui me l'a envoyé pour intendant. Lui, votre intendant? Et c'est monsieur Rémy qui vous l'envoie? Hélas, le bonhomme, il ne sait pas qu'il vous donne. C'est un démon que ce garçon-là. Mais que signifient tes exclamations? Explique-toi! Est-ce que tu le connais? Si je le connais, madame, si je le connais. Ah, vraiment, oui. Mais il me connaît bien aussi. N'avez-vous pas vu comme il se détournait de peur que je ne le visse? Il est vrai. Et tu me surprends à mon tour. Serait-il capable de quelque mauvaise action que tu saches? Mais est-ce que ce n'est pas un honnête homme? Mais il n'y a point de plus brave homme sur toute la terre. Il a peut-être plus d'honneur à lui tout seul que 50 honnêtes gens ensemble. Oh, c'est une probité merveilleuse. Il n'a peut-être pas son pareil. De quoi peut-il donc être question? D'où vient que tu m'alarmes? En vérité, j'en suis tout émue. Son défaut, c'est là. C'est à la tête que le mal le tient. À la tête? Oui, il est timbré. Mais timbré comme sang. Dorante. Mais il me parut de très bon sens. Quelle preuve as-tu de sa folie? Quelle preuve? Il y a 6 mois qu'il est tombé fou. Il y a 6 mois qu'il extravague d'amour. Qu'il en a la cervelle brûlée, qu'il en est comme un perdu. Je dois bien le savoir, car j'étais à lui, je le servais. Et c'est ce qui m'a obligé de le quitter. Et c'est ce qui me force de m'en aller encore. Ôter cela, c'est un homme incomparable. Bien. Il fera ce qu'il voudra, mais je ne le garderai pas. On a bien affaire d'un esprit renversé. Et peut-être encore je gage pour quelque objet qui n'en vaut pas la peine, car les hommes ont des fantaisies. Ah, vous m'excuserez pour ce qui est de l'objet. Il n'y a rien à dire. Mal peste sa folie est de bon goût. N'importe. Je veux le congédier. Est-ce que tu la connais, cette personne? J'ai l'honneur de la voir tous les jours. C'est vous, madame. Moi, dis-tu? Il vous adore. Il y a 6 mois qu'il n'en vit point, qu'il donnerait sa vie pour avoir le plaisir de vous contempler un instant. Vous avez dû voir qu'il a l'air enchanté quand il vous parle? Il y a bien, en effet, quelques petites choses qui m'ont paru extraordinaires. Juste ciel, le pauvre garçon, de quoi s'avise-t-il? Vous ne croiriez pas jusqu'où va sa démence. Elle le ruine. Elle lui coupe la gorge. Il est bien fait, d'une figure passable, bien élevée et de bonne famille, mais il n'est pas riche. Et vous saurez qu'il n'a tenu qu'à lui d'épouser des femmes qui l'étaient.
et de fort aimable, ma foi, qui offrait de lui faire sa fortune, et qui aurait bien mérité qu'on leur la fît elle-même. Il y en a une qui n'en saurait revenir et qui le poursuit encore tous les jours. Je le sais, car je l'ai rencontrée. Actuellement? Oui, madame, actuellement, une grande brune très piquante, et qu'il fuit. Il n'y a pas moyen, monsieur refuse tout. Je les tromperai, me disait-il. Je ne puis les aimer, mon cœur est parti. Ce qu'il disait quelquefois la larme à l'œil, car il sent bien son tort. Cela est fâcheux. Mais où m'a-t-il vu avant que de venir chez moi, Dubois? Hélas, madame, ce fut un jour que vous sortîtes de l'opéra qu'il perdit la raison. C'était un vendredi, je m'en ressouviens, oui, un vendredi. Il vous vit descendre l'escalier, à ce qu'il me raconta, et vous suivit jusqu'à votre carrosse. Il avait demandé votre nom, et je le trouvais qui était comme extasié. Il ne remuait plus. Quelle aventure! J'eus beau lui crier « Monsieur, point de nouvelles, il n'y avait plus personne au logis. » À la fin, pourtant, il revint à lui avec un air égaré. Je le jetai dans une voiture et nous retournâmes à la maison. J'espérais que cela se passerait, car je l'aimais, c'est le meilleur maître. Point du tout, il n'y avait plus de ressources. Ce bon sens, cet esprit jovial, cette humeur charmante, vous aviez tout expédié. Et dès le lendemain, nous ne fîmes plus tous deux. Lui, que rêvez à vous, que vous aimez. Moi, des pieds depuis le matin jusqu'au soir, où vous alliez. Tu m'étonnes à un point. Je me fis même ami d'un de vos gens, qui n'y est plus. Un garçon fort exact qui m'instruisait et à qui je payais bouteille. C'est à la comédie qu'on va, me disait-il, et je courais faire mon rapport. Sur lequel, dès 4 heures, mon homme était à la porte. C'est chez madame celle-ci, c'est chez madame celle-là. Et sur cet avis, nous allions toute la soirée habiter la rue, ne vous déplaise, pour voir madame entrer et sortir. Lui dans un fiacre, moi derrière, tous deux morfondus et gelés, car c'était dans l'hiver. Lui ne s'en souciant guère, moi jurant par-ci par-là pour me soulager. Est-il possible? Oui, madame. À la fin, ce train de vie m'ennuya. Ma santé s'altérait, la sienne aussi. Je lui fis à croire que vous étiez à la campagne. Il le crut, et j'eus quelques repos. Mais n'alla-t-il pas, 2 jours après, vous rencontrer aux Tuileries, où il avait été s'attristé de votre absence? Au retour, il était furieux. Il voulut me battre, tout bon qu'il est. Moi, je ne le voulus point, je le quittai. Mon bonheur, ensuite, m'a mis chez madame, où, à force de se démener, je le trouve parvenu à votre intendance. Ce qu'il ne troquerait pas contre la place d'un empereur. Y a-t-il rien de si particulier? Je suis si lasse d'avoir des gens qui me trompent que je me réjouissais de l'avoir parce qu'il a de la probité. Ce n'est pas que je sois fâchée, car je suis bien au-dessus de cela. Il y aura de la bonté à le renvoyer. Plus il voit madame, plus il s'achève. Non, vraiment, je le renverrai bien. Mais ce n'est pas là ce qui le guérira. D'ailleurs, je ne sais que dire à monsieur Rémy qui me l'a recommandé et ceci m'embarrasse. Je ne vois pas trop comment m'en défaire, honnêtement. Oui, mais vous ferez un incurable, madame. Eh bien, tant pis pour lui. Je suis dans des circonstances où je ne saurais me passer d'un intendant. Et puis, il n'y a pas tant de risques, tu le crois. Au contraire, s'il y avait quelque chose qui pût ramener cet homme, c'est l'habitude de me voir plus qu'il n'a fait. Ce serait même un service à lui rendre. Oui, c'est un remède bien innocent. Premièrement, il ne vous dira mot, jamais vous n'entendrez parler de son amour. En es-tu bien sûr? Il ne faut pas en avoir peur. Il mourrait plutôt. Il a un respect, une humilité, une adoration pour vous qui n'est pas concevable. Est-ce que vous croyez qu'il songe à être aimé? Nullement. Il dit que dans l'univers, il n'y a personne qui le mérite. Il ne veut que vous voir, vous considérer. Regardez vos yeux, vos grâces, votre belle taille. Et puis c'est tout. Il me l'a dit 1000 fois. Voilà qui est bien digne de compassion. Allons, je patienterai quelques jours en attendant que j'en ai un autre. Au surplus, ne crains rien. Je suis contente de toi. Je récompenserai ton zèle et je ne veux pas que tu me quittes. Entends-tu, Dubois? Madame, je vous suis dévouée pour la vie. J'aurai soin de toi. Surtout qu'il ne sache pas que je suis instruite, garde un profond secret, et que tout le monde, jusqu'à Marton, ignore ce que tu m'as dit. Ce sont de ces choses qui ne doivent jamais percer. Je n'en ai jamais parlé qu'à madame. Le voici qui revient. Va-t'en. Ah ben. Madame, je me rends à vos ordres. Mais monsieur, de quoi vous parlais-je? Je l'ai oublié. T'as un procès avec monsieur le comte d'Orimont.
Je me remets. Je vous disais qu'on veut nous marier. Oui, madame. Et vous alliez ajouter, je crois, que vous n'étiez point portée à ce mariage. Il est vrai. J'avais envie de vous charger d'examiner l'affaire afin de savoir si je ne risque rien à plaider, mais... je crois devoir vous dispenser de ce travail. Je ne suis pas sûre de pouvoir vous garder. Madame, vous avez eu la bonté de me rassurer là-dessus. Oui. Mais c'est que je ne faisais pas réflexion que j'ai promis à monsieur le comte de prendre un intendant de sa main. Vous voyez bien qu'il ne serait pas honnête de lui manquer de parole. Et du moins faut-il que je parle à celui qu'il m'amènera. Je ne suis pas heureux. Rien ne me réussit et j'aurai la douleur d'être renvoyé. Je ne dis pas cela. Il n'y a encore rien de résolu là-dessus. Ne me laissez point dans l'incertitude où je suis, madame. Eh bien oui. Je tâcherai que vous restiez. Je tâcherai. Vous m'ordonnez donc de vous rendre compte de l'affaire en question. Attendons. Si j'allais épouser le comte, vous auriez pris une peine inutile. Mais je croyais avoir entendu dire à madame qu'elle n'avait point de penchant pour lui. Pas encore. Et d'ailleurs, votre situation est si tranquille et si douce. Eh bien oui. Examinez toujours. Examinez. J'ai des papiers dans mon bureau, je vais les chercher. Vous viendrez les prendre, je vous les donnerai. Marton vous cherche pour vous montrer l'appartement qu'on vous destine. Arlequin est allé boire, j'ai dit que j'allais vous avertir. Comment vous traite-t-on? Qu'elle est aimable. Oh, je suis enchanté. De quelle façon a-t-elle reçu ce que tu lui as dit? Elle opine tout doucement à vous garder, par compassion. Elle espère vous guérir par l'habitude de la voir. Sincèrement. Elle n'en réchappera point, c'est autant de prix. Je m'en retourne. Reste au contraire. Je crois que voici Marton. Dis-lui que madame m'attend pour me remettre des papiers et que j'irai la trouver dès que je les aurai. Partez, aussi bien j'ai un petit avis à donner à Marton. Il est bon de jeter dans tous les esprits les soupçons dont nous avons besoin. Où est donc Dorante? Il me semble l'avoir vu avec toi. Il dit que madame l'attend pour des papiers. Il reviendra ensuite. Au reste, qu'est-il nécessaire qu'il voie cet appartement? S'il n'en voulait pas, il serait bien délicat, pardi. Je lui conseillerais d'aller... Ce ne sont pas là tes affaires. Je suis les ordres de madame. Madame est bonne et sage. Mais prenez garde, ne trouvez-vous pas que ce petit galant-là fait les yeux doux? Il les fait comme il les a. Je me trompe fort si je n'ai pas vu la mine de ce freluquet considérer je ne sais où celle de madame. Eh bien, est-ce qu'on te fâche quand on la trouve belle? Non, mais je me figure quelquefois qu'il n'est venu ici que pour la voir de plus près. Quelle idée! Va, tu n'y entends rien. Tu t'y connais mal. Ah, je suis donc bien sot. L'original, avec ses observations. Allez, allez, prenez toujours. Non, madame, vous ne risquez rien. Vous pouvez plaider en toute sûreté. J'ai même consulté plusieurs personnes. L'affaire est excellente. Et si vous n'avez que le motif dont vous parlez pour épouser monsieur le comte, rien ne vous oblige à ce mariage. Je l'affligerai beaucoup. Et j'ai de la peine à m'y résoudre. Il ne serait pas juste de vous sacrifier à la crainte de l'affliger. Mais avez-vous bien examiné? Vous me disiez tantôt que mon état était doux et tranquille. N'aimeriez-vous pas mieux que j'y restasse?
N'êtes-vous pas un peu trop prévenue contre le mariage et par conséquent contre Monsieur le Comte? Madame, j'aime mieux vos intérêts que les siens, et que ceux de qui que ce soit au monde. Je ne saurais y trouver à redire. En tout cas, si je l'épouse et qu'il veuille en mettre un autre ici à votre place, vous n'y perdrez point. Je vous promets de vous en trouver une meilleure. Non, madame. Si j'ai le malheur de perdre celle-ci, je ne serai plus à personne. Et apparemment que je la perdrai. Je m'y attends. Je crois pourtant que je plaiderai. Nous verrons. Madame, j'avais encore une petite chose à vous dire. Je viens d'apprendre que le concierge d'une de vos terres est mort. On pourrait y mettre un de vos gens et j'ai songé à Dubois, que je remplacerai ici par un domestique dont je réponds. Non. Envoyez plutôt votre homme au château et laissez-moi Dubois. C'est un garçon de confiance qui me sert bien et que je veux garder. À propos, il m'a dit, ce me semble, qu'il avait été à vous quelque temps. Il est vrai, madame. Il est fidèle, mais peu exact. Rarement, au reste, ces gens-là parlent-ils bien de ceux qu'ils ont servis. Ne me nuirait-il point dans votre esprit? Celui-ci dit beaucoup de bien de vous. Et voilà tout. Que me veut Monsieur Rémy? Madame, je suis votre très humble serviteur. Je viens vous remercier de la bonté que vous avez eue de prendre mon neveu à ma recommandation. Je n'ai pas hésité, comme vous l'avez vu. Je vous rends mille grâces. Ne m'aviez-vous pas dit qu'on vous en offrait un autre? Oui, monsieur. Tant mieux. Car je viens vous demander celui-ci pour une affaire d'importance. Et d'où vient, monsieur? Patience. Mais monsieur Rémy, ceci est un peu vif. Vous prenez assez mal votre temps et j'ai refusé l'autre personne. Pour moi, je ne sortirai jamais de chez madame qu'elle ne me congédie. Vous ne savez ce que vous dites. Il faut pourtant sortir, vous allez voir. Tenez, madame, jugez-en vous-même. Voici de quoi il est question. C'est une dame de 35 ans, que l'on dit jolie femme, estimable et de quelque distinction, qui ne déclare pas son nom, qui dit que j'ai été son procureur, qui a 15 000 livres de rente, pour le moins, ce qu'elle prouvera, qui a vu monsieur chez moi, qui lui a parlé, qui sait qu'il n'a pas de bien et qui offre de l'épouser sans délai. Et la personne qui est venue chez moi de sa part doit revenir tantôt pour savoir la réponse et vous mener tout de suite chez elle. Cela est-il net? Y a-t-il à se consulter là-dessus? Dans 2 heures, il faut être au logis. Ai-je tort, madame? C'est à lui de répondre. Eh bien, à quoi pense-t-il donc? Viendrez-vous? Non, monsieur, je ne suis pas dans cette disposition-là. Quoi? Entendez-vous ce que je vous dis? Qu'elle a 15 000 livres de rente. Entendez-vous? Oui, monsieur. Mais en eût-elle 20 fois davantage que je ne l'épouserais pas. Nous ne serions heureux ni l'un ni l'autre. J'ai le cœur pris. J'aime ailleurs. J'ai le cœur pris. Ah, voilà qui est fâcheux. L'amour est formidable. Je n'aurais jamais deviné la beauté des scrupules de ce cœur-là, qui veut que l'on reste intendant de la maison d'autrui pendant qu'on peut l'être de la sienne. Est-ce là votre dernier mot, berger fidèle? Je ne saurais changer de sentiment, monsieur. Le sauveur, mon neveu. Vous êtes un imbécile, un insensé. Et je tiens celle que vous aimez pour une guenon, si elle n'est pas de mon sentiment. N'est-il pas vrai, madame? Et ne le trouvez-vous pas extravagant? Il paraît avoir tort, j'en conviens. Comment, madame? Dans sa façon de penser, je l'excuse. Voyez pourtant, Dorante. Tâchez de vaincre votre penchant, si vous le pouvez. Je sais bien que cela est difficile. Il n'y a pas moyen, madame. Mon amour m'est plus cher que ma vie. Ceux qui aiment les beaux sentiments doivent être contents. En voilà un des plus curieux qui se fasse. Vous trouvez donc cela raisonnable, madame? Je vous laisse. Parlez-lui vous-même. Enfin, Dorante, sais-tu bien qu'il n'y a pas de four aux petites maisons de ta force?
Venez, mademoiselle Marton. Je viens d'apprendre que vous étiez ici. Dites-nous un peu votre sentiment. Que pensez-vous de quelqu'un qui n'a point de bien et qui refuse d'épouser une honnête et fort jolie femme avec 15 000 livres de rente pour le moins? Votre question est bien aisée à décider, ce quelqu'un rêve. Voilà le rêveur. Et pour excuse, il allègue son cœur que vous avez pris. Et comme apparemment il n'a pas encore emporté le vôtre, et que je vous prends encore à peu près dans tout votre bon sens, et vu le peu de temps qu'il y a que vous le connaissez, je vous prie de m'aider à le rendre plus sage. Assurément, vous êtes fort joli, mais vous ne le disputerez point à un pareil établissement. Il n'y a point de beaux yeux qui vaillent ce prix-là. Quoi, monsieur Rémy? C'est de Dorante que vous parlez. C'est pour se garder à moi qu'il refuse d'être riche. Tout juste. Et vous êtes trop généreuse pour le souffrir. Vous vous trompez, monsieur. Je l'aime trop moi-même pour l'en empêcher. Et je suis enchantée. Dorante, que je vous estime. Je n'aurais pas cru que vous m'aimassiez tant. Courage. Je ne fais que vous le montrer et vous en êtes déjà coiffé. Pardi, le cœur d'une femme est bien étonnant. Le feu y prend bien vite. Et monsieur, faut-il tant de bien pour être heureux? Madame qui a de la bonté pour moi suppléera en partie par sa générosité à ce qu'il me sacrifie. Que je vous ai d'obligation, Dorante. Oh non, mademoiselle, aucune. Vous n'avez point de gré à me savoir de ce que je fais. Je me livre à mes sentiments et ne regarde que moi là-dedans. Vous ne me devez rien, je ne pense pas à votre reconnaissance. Que de délicatesse. Vous me charmez. Il n'y a encore rien de si tendre que ce que vous me dites. Par ma foi, je m'y connais donc guère, car je le trouve bien plat. Adieu, la belle enfant. Je ne vous aurais, ma foi, pas imaginé ce qu'il vous achète. Serviteur idiot, garde ta tendresse. Et moi, ma succession. Il est en colère, mais nous l'apaiserons. Je l'espère. Quelqu'un vient. C'est le comte, celui dont je vous ai parlé et qui doit épouser madame. Je me retire donc. Il pourrait me parler de son procès et vous savez ce que je vous ai dit là-dessus. Il est inutile que je le voie. Bonjour, Marton. Vous voilà donc revenu, monsieur. Oui. On m'a dit qu'Aramane se promenait dans le jardin et je viens d'apprendre de sa mère une chose qui me chagrine. Je lui avais retenu un intendant qui devait aujourd'hui entrer chez elle. Cependant, elle en a pris un autre. Qui ne plaît point à la mère, et dont nous n'avons rien à espérer. Nous n'en devons rien craindre non plus. Allez, ne vous inquiétez point. C'est un galant homme. Et si la mère n'en est pas contente, c'est un peu de sa faute. Elle a débuté tantôt par le brusquer d'une manière si outrée et l'a traité si mal qu'il n'est pas étonnant qu'elle ne l'ait point gagné. Imaginez-vous qu'elle l'a querellé de ce qu'il est bien fait. Serait-ce point lui que je viens de voir sortir d'avec vous? Lui-même. Il a bonne mine, en effet. Il n'a pas trop l'air de ce qu'il est. Pardonnez-moi, monsieur, car il est honnête homme. N'y aurait-il pas moyen de raccommoder cela? Aramante ne me hait pas, je pense, mais elle est lente à se déterminer. Et pour achever de la résoudre, il ne s'agirait plus que de lui dire que le sujet de notre discussion est douteux pour elle. Elle ne voudra pas soutenir l'embarras d'un procès. Parlons à cet intendant, s'il ne faut que de l'argent pour le mettre dans nos intérêts, je ne l'épargnerai pas. Oh non, ce n'est point un homme à mener par là, c'est le garçon de France le plus désintéressé. Tant pis, ces gens-là ne sont bons à rien. Laissez-moi faire. Mademoiselle,
Il y a là un homme qui en demande à un autre. Savez-vous qui c'est? Et qui est cet autre? À quel homme en veut-il? À ma foi, je n'en sais rien. C'est de quoi je m'informe à vous. Fais-le entrer. Hé, le garçon, venez ici expliquer votre affaire. Qui cherchez-vous? Mademoiselle, je cherche un certain monsieur à qui j'ai rendu un portrait avec une boîte qu'il nous a fait faire. Il nous a dit qu'on ne l'a remis qu'à lui-même et qu'il viendrait la prendre. Mais comme mon père est obligé de partir demain pour un petit voyage, ils m'ont envoyé pour la lui rendre. Et on m'a dit que je saurais de ses nouvelles ici. Je le connais de vue, mais je ne sais pas son nom. N'est-ce pas vous, monsieur le comte? Non, sûrement. Non, je n'ai point affaire à monsieur, mademoiselle. C'est une autre personne. Et chez qui vous a-t-on dit que vous le trouveriez? Chez un procureur, qui s'appelle monsieur Rémy. Ah! N'est-ce pas le procureur de madame? Montrez-nous la boîte. Non, cela m'est défendu. Je n'ai hors de la donner qu'à celui à qui elle est. Le portrait de la dame est dedans. Le portrait d'une dame? Qu'est-ce que cela signifie? Serait-ce celui d'Araminte? Je vais tout à l'heure savoir ce qu'il en est. Vous avez mal fait de parler de ce portrait devant lui. Je sais qui vous cherchez. C'est le neveu de monsieur Rémy, de chez qui vous venez. Je le crois aussi, mademoiselle. Un grand homme qui s'appelle monsieur Dorante. Il me semble que c'est son nom. Il me l'a dit. Je suis dans sa confidence. Avez-vous remarqué le portrait? Non. Je n'ai pas pris garde à qui il ressemble. Eh bien, c'est de moi dont il s'agit. Monsieur Dorante n'est pas ici et ne reviendra pas si tôt. Vous n'avez qu'à me remettre la boîte. Vous le pouvez en toute sûreté. Vous lui ferez même plaisir. Vous voyez que je suis au fait. C'est ce qui me paraît. Tenez, la voilà. Et donc, je vous prie le soin de la lui rendre quand il sera venu. Oh, je n'y manquerai pas. Il y a encore une baguettée qu'il doit dessus. Mais je tâcherai de repasser tantôt. Et s'il n'y était pas, vous auriez la bonté d'achever de payer. Sans difficulté. Allez, retirez-vous vite. Ce ne peut être que mon portrait. Le charmant homme. Monsieur Rémy avait raison de dire qu'il y avait quelque temps qu'il me connaissait. Mademoiselle, n'avez-vous pas vu ici quelqu'un qui vient d'arriver? Arlequin croit que c'est moi qu'il demande. Que vous êtes aimable. Dorante. Je serais bien injuste de ne pas vous aimer. Allez, soyez en repos. L'ouvrier est venu, je lui ai parlé. J'ai la boîte. Je la tiens. J'ignore. Point de mystère, je la tiens, vous dis-je. Et je ne m'en fâche pas. Je vous la rendrai quand je l'aurai vue. Voici madame. Avec sa mère et le comte. C'est peut-être de cela qu'ils s'entretiennent. Ne les attendez pas. Laissez-moi les calmer là-dessus. Partons. Qu'est-ce que c'est qu'un portrait dont monsieur le comte me parle, qu'on vient d'apporter ici à quelqu'un qu'on ne nomme pas et qu'on soupçonne être le mien? Instruisez-moi de cette histoire-là. Ce n'est rien, madame. Je vous dirai ce que c'est. Je l'ai démêlé après que monsieur le comte est parti. Il n'a que faire de s'alarmer. Il n'y a rien là qui vous intéresse. Comment le savez-vous, mademoiselle? Vous n'avez point vu le portrait? N'importe, c'est tout comme si je l'avais vu. Je sais qui il regarde. N'en soyez point en peine. Ce qu'il y a de certain, c'est un portrait de femme. C'est ici qu'on vient chercher la personne qui l'a fait faire, à qui on doit le rendre. Et ce n'est pas moi.
D'accord, mais quand je vous dis que madame n'y est pour rien, ni vous non plus. Eh bien, si vous êtes instruite, dites-nous donc de quoi il est question, car je veux le savoir. On a des idées qui ne me plaisent point. Parlez. Oui, ceci a un air de mystère qui est désagréable. Il ne faut pourtant pas vous fâcher, ma fille. Monsieur le comte vous aime. Un peu de jalousie, même injuste, ne baissiez pas un amant. Madame, je ne suis jaloux que de l'inconnu qui ose se donner le plaisir d'avoir votre portrait. Comme il vous plaira, monsieur. Mais j'ai entendu ce que vous vouliez dire et je crains un peu ce caractère d'esprit-là. Eh bien, Marton. Eh bien, madame, voilà bien du bruit. C'est mon portrait. Votre portrait ? Oui, le mien. Et pourquoi non, s'il vous plaît ? Il ne faut pas tant se récrier. Je suis assez comme monsieur le comte. La chose me paraît singulière. Ma foi, madame, sans vanité, on en peint tous les jours. Et des plus huppés qui ne me valent pas. Et qui est-ce qui a fait cette dépense-là pour vous ? Un très aimable homme. Qui m'aime. Qui a de la délicatesse et des sentiments, et qui me recherche. Puisqu'il faut vous le nommer. C'est Dorante. Mon intendant ? Lui-même. Le fat avec ses sentiments. Mais vous nous trompez. Depuis qu'il est ici, a-t-il eu le temps de vous faire peindre ? Mais ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il me connaît. Donnez donc. Je n'ai pas encore ouvert la boîte. C'est moi que vous y allez voir. Je m'en doutais bien. C'est madame. Madame ? Il est vrai ? Et me voilà bien loin de mon compte ? Ma foi, madame, tout autre que moi s'y serait trompée. Monsieur Rémy me dit que son neveu m'aime, qu'il veut nous marier ensemble. Dorante est présent et ne dit point non. Il refuse devant moi un très riche parti, l'oncle s'en prend à moi, me dit que j'en suis cause. Ensuite vient un homme qui apporte ici ce portrait, qui vient chercher l'homme à qui il appartient. Je l'interroge, à tout ce qu'il répond, je reconnais Dorante. C'est un petit portrait de femme. Dorante même jusqu'à refuser sa fortune pour moi. Je conclus donc que c'est moi qui l'a fait peindre. Ai-je tort ? J'ai pourtant mal conclu. J'y renonce. Tant d'honneur ne m'appartient point. Je crois voir toute l'étendue de ma méprise et je me tais. Ah. Ce n'est pas là une chose bien difficile à deviner. Vous faites le fâché. L'étonné, monsieur le comte. Il y a eu quelques malentendus dans les mesures que vous avez prises, mais vous ne m'abusez point. C'est à vous qu'on a porté ce portrait. Un homme dont on ne sait pas le nom, qu'on vient chercher ici, c'est vous, monsieur. C'est vous. Je ne crois pas. Oui, oui, c'est monsieur. À quoi bon vous en défendre ? Dans les termes où vous êtes avec ma fille, ce n'est pas là un si grand crime. Allons, convenez-en. Non, madame, ce n'est point moi. Sur mon honneur, je ne connais pas ce monsieur Rémy. Comment aurait-on dit chez lui qu'on aurait de mes nouvelles ici ? Cela ne se peut pas. Je ne faisais pas attention à cette circonstance. Bon, qu'est-ce qu'une circonstance de plus ou de moins ? Je n'en rabats rien. Quoi qu'il en soit, je le garde. Personne ne l'aura. Oh. Quel bruit entendons-nous ? Marton, voyez ce que c'est. Tu es un plaisant magot ! À qui en avez-vous donc ?
font, vous autres? Si je disais un mot, ton maître sortirait bien vite. Toi, nous nous soucions de toi et de toute ta race de canaille comme le cela. Je te bâtonnerai sans le respect de madame. Oh, arrive, arrive. La voilà, madame. Quel sujet avez-vous donc de quereller? De quoi s'agit-il? Approchez, Dubois. Apprenez-nous ce que c'est que ce mot que vous diriez contre Dorande. Il serait bon de savoir ce que c'est. Prononce donc ce mot. Tais-toi, laisse-le parler. Il y a une heure qu'il me dit mille invectives, madame. Je soutiens les intérêts de mon maître, je tire des gages pour cela. Et je ne souffrirai pas qu'un Ostrogo menace mon maître d'un seul mot. J'en demande justice à madame. Mais encore une fois, sachons ce que Dubois veut dire par ce mot. C'est le plus pressé. Je le défie d'en dire seulement une lettre. C'est par pure colère que j'ai fait cette menace, madame. Et voici la cause de la dispute. En arrangeant l'appartement de Monsieur Dorande, j'y ai vu par hasard un tableau où madame est peinte. Et j'ai cru qu'il fallait l'ôter, qu'il n'avait que faire là, qu'il n'était point décent qu'il y restât. De sorte que j'ai été pour le détacher. Ce butor est venu pour m'en empêcher. Et peu s'en est fallu que nous ne nous soyons battus. Sans doute. À quoi t'avisais-tu d'ôter ce tableau, qui est tout à fait gracieux, que mon maître considérait il n'y avait qu'un instant avec toute la satisfaction possible, car je l'avais vu, qu'il avait observé de tout son cœur. Et il prend fantaisie à ce brutal de le priver d'une peinture qui réjouit cet honnête homme. Mais ôte-lui quelque autre meuble, s'il en a trop. Mais laisse-lui cette pièce, animal. Et moi, je te dis qu'on ne la laissera pas, que je la détacherai moi-même, que tu en auras le démenti et que madame le voudra ainsi. Mais que m'importe ? Il était bien nécessaire de faire ce bruit-là pour un vieux tableau qu'on a mis là par hasard et qui est resté. Laissez-nous. Bon, cela vaut-il la peine qu'on en parle? Vous m'excuserez, ma fille. Ce n'est point là sa place. Il n'y a qu'à l'ôter. Votre intendant se passera bien de ses contemplations. Oh, vous avez raison. Je ne pense pas qu'il les regrette. Retirez-vous tous deux. Ce qui est de sûr, c'est que cet homme d'affaires-là est de bon goût. La réflexion est juste. Effectivement, il est fort extraordinaire qu'il ait jeté les yeux sur ce tableau. Cet homme-là ne m'a jamais plu un instant, ma fille. Et vous le savez. J'ai le coup d'œil assez bon, je ne l'aime point. Croyez-moi, vous avez entendu la menace que Dubois a faite en parlant de lui. J'y reviens encore, il faut qu'il y ait quelque chose à en dire. Interrogez-le, sachons ce que c'est. Je suis persuadée que ce petit monsieur-là ne vous convient point. Nous le voyons tous. Il n'y a que vous qui n'y prenez pas garde. Et qu'est-ce que vous voyez que je ne vois point? Je manque de clairvoyance? J'avoue que je m'y perds. Je ne vois pas le sujet de me défaire d'un homme qui m'est donné de bonnes mains, qui est un homme de quelque chose, qui me sert bien, et que trop bien, peut-être. Voilà ce qui n'échappe pas à ma clairvoyance, par exemple. Que vous êtes aveugle. Pas tant. Chacun a ses lumières. Je consens au reste d'écouter Dubois. Le conseil est bon et je l'approuve. Allez, Marton. Allez lui dire que je veux lui parler. S'il me donne des motifs raisonnables de renvoyer cet intendant assez hardi pour regarder un tableau, il ne restera pas longtemps chez moi. Sans quoi, on aura la bonté de trouver bon que je le garde, en attendant qu'il me déplaise. À moi. Eh bien, il vous déplaira. Je ne vous en dis pas davantage, en attendant de plus fortes preuves.
Quant à moi, madame, j'avoue que j'ai craint qu'il ne me servît mal auprès de vous. Il ne vous inspira l'envie de plaider. Et j'ai souhaité par pure tendresse qu'il vous en détournât. Il aura pourtant beau faire. Je déclare que je renonce à tout procès avec vous. Que je ne veux pour arbitre de notre discussion que vous et vos gens d'affaires. Et que j'aime mieux perdre tout que de rien disputer. Mais où serait la dispute? Le mariage terminerait tout et le vôtre est comme arrêté. Je garde le silence sur Dorante. Je reviendrai simplement voir ce que vous pensez de lui. Et si vous le congédiez, comme je le présume, il ne tiendra qu'à vous de prendre celui que je vous offrais. Et que je retiendrai encore quelque temps. Je ferai comme monsieur. Je ne vous parlerai plus de rien non plus. Vous m'accuseriez de vision. Votre entêtement finira sans notre secours. Et je compte beaucoup sur Dubois, que voici, et avec lequel nous vous laissons. On m'a dit que vous vouliez me parler, madame. Viens ici. Tu es bien imprudent, Dubois, bien indiscret. Moi qui ai si bonne opinion de toi, tu n'as garde attention pour ce que je te dis. Je t'avais recommandé de te taire sur le chapitre de Dorante. Tu en sais les conséquences ridicules et tu me l'avais promis. Alors pourquoi donc avoir pris sur ce misérable tableau avec un sceau qui fait un vacarme épouvantable et qui vient ici tenir des discours tout propres à donner des idées que je serais au désespoir qu'on eût? Ma foi, madame, j'ai cru la chose sans conséquence et je n'ai agi que par un mouvement de respect et de zèle. Bien, laisse là ton zèle. Ce n'est pas là celui que je veux ni celui qu'il me faut. C'est de ton silence dont j'ai besoin pour me tirer de l'embarras où je suis et où tu m'as jeté toi-même, car sans toi, je ne serais pas que cet homme là même. Et je n'aurais que faire d'y regarder de si près. J'ai bien senti que j'avais tort. Mais passe encore pour la dispute, mais pourquoi s'écrier si je disais un mot? Y a-t-il rien de plus mal à toi? C'est encore une suite de ce zèle malentendu. Eh bien, tais-toi donc. Tais-toi. Je voudrais pouvoir te faire oublier ce que tu m'as dit. Je suis bien corrigé. C'est ton étourderie qui me force actuellement de te parler. Sous prétexte de t'interroger sur ce que tu sais de lui. Ma mère et monsieur le comte s'attendent que tu vas m'en apprendre des choses étonnantes. Quel rapport leur ferais-je à présent? Ah, il n'y a rien de plus facile à raccommoder. Ce rapport sera que des gens qui le connaissent m'ont dit que c'était un homme incapable de l'emploi qu'il a chez vous. Quoiqu'il soit fort habile, au moins, ce n'est pas cela qui lui manque. À la bonne heure, mais il y aura un inconvénient. Et s'il en est incapable, on me dira de le renvoyer. Il n'est pas encore temps. J'y ai pensé depuis. La prudence ne le veut pas. Et je suis obligée de prendre des biais. Et d'aller tout doucement avec cette passion si excessive que tu dis qu'il a. Et qui éclaterait peut-être en sa douleur. Me fierais-je à un désespéré? Mais ce n'est pas le besoin que j'ai de lui qui me retient, c'est moi que je ménage. À moins que ce qu'a dit Marton ne soit vrai. Auquel cas, je n'aurai plus rien à craindre. Elle prétend qu'il l'avait déjà vu chez Monsieur Rémy. Et que le procureur a dit même devant lui qu'il l'aimait depuis longtemps et qu'il fallait qu'ils se mariassent. Je le voudrais. Bagatelle. Dante n'a vu Marton ni de près ni de loin. C'est le procureur qui a débité cette fable-là à Marton dans le dessein de les marier ensemble. Et moi, je n'ai pas osé l'en dédire, m'a dit Dorante, parce que j'aurais indisposé contre moi cette fille qui a du crédit auprès de sa maîtresse. Et qui a cru ensuite que c'était pour elle que je refusais les 15 000 livres de rente qu'on m'offrait. Il t'a donc tout compté?
Oui, il n'y a qu'un moment, dans le jardin, où il a presque voulu se jeter à mes genoux pour me conjurer de lui garder le secret sur sa passion et d'oublier l'emportement qu'il eut avec moi lorsque je le quittais. Je lui ai dit que je me tairais, mais que je ne prétendais pas rester dans la maison avec lui et qu'il fallait qu'il sortît. Ce qu'il a jeté dans des gémissements, dans des pleurs, dans le plus triste état du monde. Hé hey, tant pis, ne le tourmente point. Tu vois bien que j'ai raison de dire qu'il faut aller doucement avec cet esprit-là, tu le vois bien. J'augurais beaucoup de ce mariage avec Marton, je croyais qu'il m'oublierait. Et point du tout, il n'est question de rien. Pure fable. Madame a-t-elle encore quelque chose à me dire? Attends. Comment faire? Si lorsqu'il me parle, il me mettait en droit de me plaindre de lui, mais il ne lui échappe rien. Je ne sais de son amour que ce que tu m'en dis et je ne suis pas assez fondée pour le renvoyer. Il est vrai qu'il me fâcherait s'il parlait, mais... il serait à propos qu'il me fâchât. Ah, vraiment, oui. Monsieur Dorante n'est point digne de madame. S'il était dans une plus grande fortune, comme il n'y a rien à dire à ce qu'il est né, ce serait une autre affaire. Mais il n'est riche qu'en mérite, et ce n'est pas assez. Vraiment, non. Voilà les usages. Je ne sais pas comment je le traiterai. Je n'en sais rien, je verrai. Eh bien, madame a un si beau prétexte. Ce portrait que Marton a cru être le sien, ce qu'elle m'a dit. Ah non. Non, je ne saurais l'en accuser, c'est le comte qui l'a fait faire. Un point du tout, c'est de Dorante. Je le sais de lui-même. Il y travaillait encore, il n'y a que 2 mois lorsque je le quittais. Va-t'en. Il y a longtemps que je te parle. Si l'on me demande ce que tu m'as appris de lui, je dirai ce dont nous sommes convenus. Le voici qui revient. J'ai envie de lui tendre un piège. Oui, madame, il se déclarera peut-être. Et tout de suite, je lui dirai sortez. Laisse-nous. Je viens, madame, vous demander votre protection. Je suis dans le chagrin et dans l'inquiétude. J'ai tout quitté pour avoir l'honneur d'être à vous. Je vous suis plus attaché que je ne puis le dire. On ne saurait vous servir avec plus de fidélité ni de désintéressement. Et cependant, je ne suis pas sûr de rester. Tout le monde ici m'en veut, me persécute et conspire pour me faire sortir. J'en suis consterné. Je tremble que vous ne cédiez à leur inimitié pour moi. Et j'en serai dans la dernière affliction. Tranquillisez-vous. Vous ne dépendez point de ceux qui vous en veulent. Ils ne vous ont encore fait aucun tort dans mon esprit et tous leurs petits complots n'aboutiront à rien. Je suis la maîtresse. Je n'ai que votre appui, madame. Il ne vous manquera pas. Mais je vous conseille une chose. Ne leur paraissez pas si alarmés. Vous leur feriez douter de votre capacité et il leur semblerait que vous m'auriez beaucoup d'obligations de ce que je vous garde. Ne se tromperez pas, madame. C'est une bonté qui me pénètre de reconnaissance. À la bonne heure, mais il n'est pas nécessaire qu'ils le croient. Je vous sais bon gré de votre attachement et de votre fidélité, mais dissimulez-en une partie. C'est peut-être ce qui les indispose contre vous. Vous leur avez refusé de m'en faire accroire sur le chapitre du procès. Conformez-vous à ce qu'ils exigent. Regagnez-les par là, je vous le permets. L'événement leur persuadera que vous les avez bien servis, car toute réflexion faite, je suis déterminée à épouser le comte. Déterminée, madame ? Oui. Tout à fait résolu. Le comte croira que vous y avez contribué. Je le lui dirai même, mais je vous garantis que vous resterez ici. Je vous le promets. Quelle différence pour moi, madame? Il n'y en aura aucune. Ne vous embarrassez pas. Et écrivez le billet que je vais vous dicter. Il y a tout ce qu'il faut sur cette table. Pour qui, madame? Pour le comte.
qui sortit d'ici extrêmement inquiet et que je vais surprendre bien agréablement par le petit mot que vous allez lui écrire en mon nom. Eh bien, vous n'allez pas à la table? À quoi rêvez-vous? Oui, madame. Êtes-vous prêt à écrire? Je ne trouve point de papier, madame. Vous n'en trouvez point? Voilà devant vous. Il est vrai. Écrivez. Hâtez-vous de venir, monsieur. Votre mariage est sûr. Avez-vous écrit? Comment, madame? Vous ne m'écoutez donc pas. Votre mariage est sûr. Madame veut que je vous l'écrive et vous attend pour vous le dire. N'attribuez point cette résolution à la crainte que madame pourrait avoir des suites d'un procès douteux. Je vous ai assuré que vous le gagneriez, madame. Douteux, il ne l'est point. N'importe. Achevez. Non, monsieur. Je suis chargée de vous assurer que la seule justice qu'elle rend à votre mérite la détermine. Mais madame, vous m'aviez assuré que vous n'aviez point d'inclination pour lui. Achevez, vous dis-je. Qu'elle rend à votre mérite la détermine. Je crois que la main vous tremble. Vous paraissez changer. Qu'est-ce que cela signifie? Vous trouvez-vous mal? Je ne me trouve pas bien, madame. Quoi? Si subitement, cela est singulier. Pliez la lettre. Et mettez à monsieur le comte Dorimont. Vous direz à Dubois qu'il la lui porte. Voilà qui est écrit tout de travers, cette adresse-là n'est presque pas lisible. Je suis bien aise, madame, de trouver monsieur ici. Il vous confirmera tout de suite ce que j'ai à vous dire. Vous avez offert en différentes occasions de me marier, madame. Et jusqu'ici, je ne me suis point trouvée disposée à profiter de vos bontés. Aujourd'hui, monsieur me recherche. Il vient même de refuser un parti infiniment plus riche. Et le tout pour moi. Du moins, me l'a-t-il laissé croire. Il est à propos qu'il s'explique. Mais comme je ne veux dépendre que de vous, madame, c'est de vous aussi qu'il faut qu'il m'obtienne. Ainsi, monsieur, vous n'avez qu'à parler à madame, si elle m'accorde à vous. Vous n'aurez point de peine à m'obtenir de moi-même. Cette folle. Je suis charmée de ce qu'elle vient de m'apprendre. Vous avez fait là un très bon choix. C'est une fille aimable et d'un excellent caractère. Hélas, madame, je ne songe point à elle. Vous ne songez point à elle. Elle dit que vous l'aimez. Que vous l'aviez vue avant de venir ici.
C'est une erreur où monsieur Rémy l'a jeté sans me consulter. Et je n'ai point osé dire le contraire dans la crainte de m'en faire une ennemie auprès de vous. Il en est de même de ce riche parti qu'elle croit que je refuse à cause d'elle. Et je n'ai nulle part à tout cela. Je suis hors d'état de donner mon cœur à personne. Je l'ai perdu pour jamais. Et la plus brillante de toutes les fortunes ne me tenterait pas. Mais vous avez tort. Il fallait désabuser Marton. Elle vous aurait peut-être empêché de me recevoir. Et mon indifférence lui en dit assez. Mais dans la situation où vous êtes, quel intérêt aviez-vous d'entrer dans ma maison et de la préférer à une autre? Je trouve plus de douceur à être chez vous, madame. Il y a quelque chose d'incompréhensible dans tout ceci. Voyez-vous souvent la personne que vous aimez? Pas souvent, à mon gré, madame. Et je la verrai à tout instant que je ne croirai pas la voir assez. Est-elle fille? A-t-elle été mariée? Madame, elle est veuve. Et ne devez-vous pas l'épouser? Elle vous aime sans doute. Hélas, madame, elle ne sait pas seulement que je l'adore. Excusez l'emportement du terme dont je me sers. Je ne saurais presque parler d'elle qu'avec transport. Je ne vous interroge que par étonnement. Elle ignore que vous l'aimez, dites-vous. Et vous lui sacrifiez votre fortune. Voilà de l'incroyable. Comment, avec tant d'amour, avez-vous pu vous taire? On essaie de se faire aimer, ce me semble. Cela est naturel et pardonnable. Me préserve le ciel d'oser concevoir la plus légère espérance. Être aimé, moi? Non, madame. Son état est bien au-dessus du mien. Mon respect me condamne au silence. Et je mourrai du moins sans avoir eu le malheur de lui déplaire. Mais je n'imagine point de femme qui mérite d'inspirer une passion si étonnante. Je n'en imagine point. Elle est donc au-dessus de toute comparaison. Dispensez-moi de la louer, madame. Je m'égarerai en la peignant. On ne connaît rien de si beau ni de si aimable qu'elle. Et jamais elle ne me parle ou ne me regarde que mon amour n'en augmente. Mais votre conduite blesse la raison. Que prétendez-vous avec cet amour pour une personne qui ne saura jamais que vous l'aimez? Cela est bien bizarre. Que prétendez-vous? Le plaisir de la voir quelquefois et d'être avec elle est tout ce que je me propose. Avec elle? Oubliez-vous que vous êtes ici? Je veux dire avec son portrait quand je ne la vois point. Son portrait? Est-ce que vous l'avez fait faire? Non, madame. Mais j'ai par amusement appris à peindre et je l'ai peinte moi-même. Montrez-moi ce portrait. Daignez m'en dispenser, madame. Quoique mon amour soit sans espérance, je n'en dois pas moins un secret inviolable à l'objet aimé. Il m'en est tombé un par hasard entre les mains. On l'a trouvé ici. Voyez si ce ne serait pas celui dont il s'agit. Cela ne se peut pas. Il est vrai que la chose serait assez extraordinaire. Examinez. Madame, songez que j'aurais perdu 1000 fois la vie avant d'avouer ce que le hasard vous découvre. Comment pourrais-je expier? Dorante, je ne me fâcherai pas. Votre égarement me fait pitié. Revenez, ange. Je vous... C'était Marton. Elle vous a vu? Non, madame, non, je ne crois pas, elle n'est point entrée. Elle vous a vu, vous dis-je. Allez-vous-en! Laissez-moi! Mais vous m'êtes insupportable! Rendez-moi ma lettre. Pourtant, ce que c'est que de l'avoir gardée. Comment s'est-il déclaré, madame? Est-il nécessaire que je lui parle? Non, je n'ai rien vu d'approchant ce que tu m'as conté. Qu'il n'en soit plus question. Et ne t'en mêle plus. Voici l'affaire dans sa crise.
Ah, te voilà. Retirez-vous. Je me fais qu'augurer de la conversation que je viens d'avoir avec elle. À quoi songez-vous? Elle n'est qu'à deux pas. Voulez-vous tout perdre? Il faut que tu m'éclaircisses. Allez dans le jardin. D'un doute. Dans le jardin, vous dis, je vais m'y rendre. Mais je ne vous écoute plus. Je crains plus que jamais. Oh. Non. Ne perdons point de temps. La lettre est-elle prête? La voilà, et j'ai mis dessus rue du Figuier. Vous êtes bien assuré qu'Arlequin ne sait pas ce quartier-là? Il m'a dit que non. Lui avez-vous bien recommandé de s'adresser à Marton ou à moi pour savoir ce que c'est? Sans doute, et je lui recommanderai encore. Allez donc la lui porter. Je me charge du reste auprès de Marton que je vais trouver. Je t'avoue que j'hésite un peu. N'allons-nous pas trop vite avec Araminte? Dans l'agitation des mouvements où elle est, peux-tu encore lui donner l'embarras de voir subitement éclater l'aventure? Oui! Point de quartier! Il faut l'achever pendant qu'elle est étourdie. Elle ne sait plus ce qu'elle fait. Ne voyez-vous pas qu'elle triche avec moi? Qu'elle me fait à croire que vous ne lui avez rien dit? Ah, je lui apprendrai à vouloir me souffler mon emploi de confident pour vous aimer en fraude. Que j'ai souffert, moi, dans ce dernier entretien. Puisque tu savais qu'elle voulait me faire déclarer, que ne m'en avertissais-tu par quelques signes? Ah bah cela aurait été joli, ma foi, hein? Elle n'en se serait point aperçue, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, votre douleur n'en a paru que plus vraie. Vous repentez-vous de l'effet qu'elle a produit? Ah, monsieur a souffert, parbleu! Il me semble que cette aventure-ci mérite un peu d'inquiétude. Sais-tu bien ce qui arrivera? Qu'elle prendra son parti et qu'elle me renverra tout d'un coup? Je l'en défie. Il est trop tard. L'heure du courage est passée. Il faut qu'elle nous épouse. Prends-y garde, tu vois bien que sa mère la fatigue. Je serais bien fâché qu'elle la laissé en repos. Elle est confuse de ce que Marton met surpris à ses genoux. Ah, vraiment? Des confusions? Elle n'y est pas. Elle va en essuyer bien d'autres. C'est moi qui, voyant le train que prenait la conversation, ai fait venir Marton la seconde fois. Araminte, pourtant, m'a dit que je lui étais insupportable. Elle a raison. Voulez-vous qu'elle soit de bonne humeur avec un homme qu'il faut qu'elle aime en dépit d'elle? Cela est-il agréable? Vous vous emparez de son bien, de son cœur, et cette femme ne criera pas? Allez, vite, plus de raisonnement, laissez-vous conduire. Songe que je l'aime. Et que si notre précipitation réussit mal, tu me désespères. Oui, je le sais bien que vous l'aimez. C'est à cause de cela que je ne vous écoute pas. Êtes-vous en état de juger de rien? Allons, allons, vous vous moquez. Laissez faire un homme de sang-froid. Partez. D'autant plus que voici Marton qui vient à propos et que je vais tâcher d'amuser le temps que vous envoyez à Arlequin. Je te cherchais. Qu'y a-t-il pour votre service, mademoiselle? Tu me l'avais bien dit, Dubois. Quoi donc? Je ne me souviens plus de ce que c'est. Que cet intendant osait lever les yeux sur madame. Ah oui. Vous voulez parler de ce regard que je lui vis jeter sur elle? Oh, jamais je ne l'ai oublié. Cet œillade-là ne valait rien. Il y avait quelque chose dedans qui n'était pas dans l'ordre. Ossa Dubois, il s'agit de faire sortir cet homme-ci. Pardi, tant qu'on voudra. Je ne m'y épargne pas. J'ai déjà dit à madame qu'on m'avait assuré qu'il n'entendait pas les affaires. Mais est-ce là tout ce que tu sais de lui? C'est de la part de madame Argante et de monsieur le comte que je te parle. Et nous avons peur que tu n'aies pas tout dit à madame. Ou qu'elle ne cache ce que c'est. Ne nous déguise rien. Tu n'en seras pas fâché. Ma foi, je ne sais que son insuffisance dont j'ai instruit madame. Ne dissimule point. Moi dissimuler, moi garder un secret. Vous avez bien trouvé votre homme. En fait de discrétion, je mériterais d'être femme. Je vous demande pardon de la comparaison, mais c'est pour vous mettre l'esprit en repos.
Il est certain qu'il aime madame. Il n'en faut point douter. Je lui en ai même dit ma pensée à elle. Et qu'a-t-elle répondu? Que j'étais un sot. Elle est si prévenue. Prévenue? À un point que je n'oserais le dire, Dubois. Oh, le diable n'y perd rien. Ni moi non plus, car je vous entends. Tu as la mine d'en savoir plus que moi là-dessus. Point du tout, je vous jure. Mais à propos, il vient tout à l'heure d'appeler Arlequin pour lui donner une lettre. Si nous pouvions la saisir, peut-être en saurions-nous davantage. Une lettre? Ouida, ne négligeons rien. Je vais de ce pas parler à Arlequin s'il n'est pas encore parti. Oh, vous n'irez pas loin, je crois qu'il vient. Ah, te voilà donc, mal bâti. Tenez, n'est-ce pas là une belle figure pour se moquer de la mienne? Que veux-tu, Arlequin? Ne sauriez-vous pas où demeure... la rue du Figuier, mademoiselle. Oui. C'est que mon camarade que je sers m'a demandé de porter cette lettre à quelqu'un qui est dans cette rue. Et comme je ne la sais pas, il m'a dit que je m'en informasse à vous. Où est cet animal-là? Mais cet animal-là ne mérite pas que je lui en parle, sinon pour l'injurier. Je voudrais que le ciel eût emporté toutes les rues, plutôt que d'en connaître une par le moyen d'un malotru comme lui. Non, non, mademoiselle, ne lui enseignez rien, qu'il galope. Vas-tu te taire? Ne l'interrompez donc point, tu vois. Eh bien, veux-tu me donner ta lettre? Je vais envoyer dans ce quartier-là, et on la rendra à son adresse. Ah! Voilà qui est bien agréable. Vous êtes une fille de bonne amitié, mademoiselle. Vous êtes bien bonne d'épargner de la peine à ce fainéant-là. Ce malhonnête. Va trouver le tableau pour voir comme il se moque de ne toi. Ne lui réponds rien. Eh bien, donne ta lettre. Tenez, mademoiselle. Vous me rendez un service qui me fait grand bien. Quand il y aura à trotter pour votre serviable personne, n'ayez pas d'autre postillon que moi. Elle sera rendue, exactement. Oui, je vous recommande l'exactitude. À cause de Monsieur Dorante, qui mérite toutes sortes de fidélité. Lundi. Je suis votre serviteur éternel. Adieu. Si vous le rencontrez, ne lui dites pas qu'un autre galope à ma place. Chut. Bon. Disons-nous que je n'ai plus ce que ceci contient. Eh bien, Marton, qu'avez-vous appris de Dubois? Rien. Que ce que vous saviez déjà, et ce n'est pas assez, madame. Dubois est un coquin qui nous trompe. Il est vrai que sa menace signifiait quelque chose de plus. Quoi qu'il en soit, j'attends Monsieur Rémy, que j'ai envoyé chercher. S'il ne nous défait pas de cet homme-là, ma fille saura qu'il ose l'aimer. Je l'ai résolu. Nous en avons les présomptions les plus fortes. Ne fût-ce que par bienséance, il faudra bien qu'elle le chasse. D'un autre côté,
J'ai fait venir l'intendant que monsieur le comte lui proposait. Il est ici. Et je le lui présenterai sur le champ. Je doute que vous réussissiez. Si nous n'apprenons rien de nouveau. Mais je tiens peut-être son congé, moi qui vous parle. Voici monsieur Rémy, je n'ai pas le temps de vous en dire davantage et je vais m'éclaircir. Bonjour ma nièce, puisqu'enfin, il faut que vous la soyez. Savez-vous ce qu'on me veut ici? Passez, monsieur, et cherchez votre nièce ailleurs, je n'aime point les mauvais plaisants. Oui, elle est une petite fille bien incivile. On m'a dit de votre part de venir ici, madame. De quoi est-il donc question? Ah, c'est donc vous, monsieur le procureur. Je vous garantis, madame, que c'est moi-même. Et de quoi vous êtes-vous avisé, je vous prie, de nous embarrasser d'un intendant de votre façon? Et par quel hasard, madame, y trouve-t-elle à redire? C'est que nous ne serions bien passés du présent que vous nous avez fait. Ma foi, madame, s'il n'est pas à votre goût, vous êtes bien difficile. C'est votre neveu, dit-on? Oui, madame. Eh bien, tout votre neveu qu'il est, vous nous ferez un grand plaisir de le retirer. Mais ce n'est pas à vous que je l'ai donné. Non, mais c'est à nous qu'il déplaît. À moi et à monsieur le comte, que voilà, et qui doit épouser ma fille. Celui-ci est nouveau. Mais madame, dès qu'il n'est pas à vous, il me semble qu'il n'est pas essentiel qu'il vous plaise. On n'a pas mis dans le marché qu'il vous plairait. Personne n'a songé à cela. Et pourvu qu'il convienne à madame Raminte, tout le monde doit être content. Tant pis pour qui ne l'est pas. Qu'est-ce que cela signifie? Mais vous avez le ton bien rogue, monsieur Rémy. Ma foi, vos compliments ne sont pas propres à l'adoucir, madame Argante. Doucement, monsieur le procureur. Doucement. Il me paraît que vous avez tort. Comme vous voudrez, monsieur le comte. Comme vous voudrez. Mais cela ne vous regarde pas. Vous savez bien que je n'ai pas l'honneur de vous connaître et nous n'avons que faire ensemble. Pas la moindre chose. Que vous me connaissiez ou non, il n'est pas si peu essentiel que vous le dites que votre neveu plaise à madame. Ce n'est pas une étrangère dans cette maison. Parfaitement étrangère pour cette affaire-ci, monsieur. On ne peut pas plus étrangère. Au surplus, Dorante est un homme d'honneur, connu pour tel, dont j'ai répondu, dont je répondrai toujours, et dont madame parle ici d'une manière choquante. Votre Dorante est un minable. Bagatelle. Ce mot-là ne signifie rien dans votre bouche. Dans ma bouche? À qui parle donc ce petit praticien, monsieur le comte? Est-ce que vous lui imposerez pas silence? Comment donc? M'imposer silence à moi, procureur? Savez-vous bien qu'il y a 50 ans que je parle, madame Argante? Il y a donc 50 ans que vous ne savez ce que vous dites. Qu'y a-t-il donc? On dirait que vous vous querellez. Nous ne sommes pas fort en paix. Et vous venez à propos, madame. Il s'agit de Dorante. Avez-vous sujet de vous plaindre de lui? Non. Que je sache. Vous êtes-vous aperçu qu'il est manqué de probité? Lui? Non. Vraiment, je ne le connais que pour un homme très estimable. Au discours que madame en tient, ce doit pourtant être un fripon dont il faut que je vous délivre. Et on se passerait bien du présent que je vous ai fait. Et c'est un impertinent qui déplaît à monsieur, qui parle en qualité d'époux futur. Et à cause que je le défends, on veut me persuader que je radote. On se jette là dans de grands excès, monsieur. Je n'y ai point de part. Je suis bien éloignée de vous traiter si mal.
À l'égard de Dorante, la meilleure justification qu'il y ait pour lui, c'est que je le garde. Mais je venais pour savoir une chose, monsieur le comte. Il y a là-bas, m'a-t-on dit, un homme d'affaires que vous avez amené pour moi. On se trompe, apparemment. Madame, il est vrai qu'il est venu avec moi, mais c'est madame Ardan, attendez, votre mère, qui a fait... répondre. Oui, ma fille. C'est moi qui ai prié monsieur de le faire venir pour remplacer celui que vous avez et que vous allez mettre dehors. Je suis sûre de mon fait. J'ai laissé dire votre procureur au reste. Mais il amplifie. Courage. Paix. Vous avez assez parlé. Je n'ai point dit que son neveu fût un fripon. Il ne serait pas impossible qu'il le fût. J'en serais pas étonnée. Mauvaise parenthèse, avec votre permission. Supposition injurieuse et tout à fait hors d'œuvre. Prenez Tom, soit. Et du moins, n'a-t-on pas encore de preuves du contraire? Et je veux croire qu'il est. Mais pour impertinent et très impertinent, j'ai dit qu'il en était un. Et j'ai raison. Vous dites que vous le garderez? Vous n'en ferez rien. Il restera. Je vous assure. Point du tout. Vous ne seriez? Seriez-vous d'humeur à garder un intendant qui vous aime? Et à qui voulez-vous donc qu'il s'attache? À vous, à qui il n'a pas affaire. Mais en effet, pourquoi faut-il que mon intendant me haïsse? Non, point d'équivoque. Quand je dis qu'il vous aime, j'entends qu'il est amoureux de vous, en bon français. Qu'il est ce qu'on appelle amoureux. Qu'il soupire pour vous. Que vous êtes l'objet secret de sa tendresse. L'objet secret de sa tendresse. Oh oui, très secret, je pense. Je ne me croyais pas si dangereuse à voir. Mais dès que vous devinez de pareils secrets, que ne devinez-vous que tous mes gens sont comme lui? Mais peut-être qu'il m'aime aussi, que sait-on? Tenez, monsieur Rémy, vous qui me voyez assez souvent, j'ai envie de deviner que vous m'aimez aussi. Ma foi, madame, à l'âge de mon neveu, je ne mentirai pas mieux qu'on dit qu'il s'en tire. Ceci n'est pas matière à plaisanterie, ma fille. N'est pas question de votre monsieur Rémy. Laissons là ce bonhomme et traitons la chose un peu plus sérieusement. Vos gens ne vous font pas peindre. Vos gens ne se mettent point à contempler vos portraits. Vos gens n'ont point l'air galant, la mine douce, heureuse. J'ai laissé passer le bonhomme à cause de vous au moins. Mais le bonhomme est quelquefois brutal. En vérité, ma mère, vous seriez la première à vous moquer de moi. C'est ce que vous me dites me faisait la moindre impression. Ce serait une offense à moi que de le renvoyer sur un pareil soupçon. Est-ce qu'on ne peut me voir sans m'aimer? Je n'y saurais que faire. Il faut bien m'y accoutumer et prendre mon parti là-dessus. Vous lui trouvez l'air galant, dites-vous. Je n'y avais pas pris garde. Et je ne lui en ferai point un reproche. Il y a de la bizarrerie à se fâcher de ce qu'il est bien fait. Je suis d'ailleurs comme tout le monde, j'aime assez les gens de bonne mine. Je vous demande pardon, madame, si je vous interromps. J'ai lieu de présumer que mes services ne vous sont plus agréables. Et dans la conjoncture présente, il est naturel que je sache mon sort. Son sort? Le sort d'un intendant? Que cela est beau. Et pourquoi n'aurait-il pas un sort? Voilà des emportements qui m'appartiennent. Quelle est cette conjoncture, monsieur? Et le motif de votre inquiétude? Vous le savez, madame. Il y a quelqu'un ici que vous avez envoyé chercher pour occuper ma place. Ce quelqu'un-là est fort mal conseillé. Désabusez-vous, ce n'est pas moi qui l'ai fait venir. Tout a contribué à me tromper. D'autant plus que mademoiselle Marton vient de m'assurer que dans une heure, je ne serai plus ici. Marton vous a tenu à force au discours. Le terme est encore trop long. Il devrait en sortir tout à l'heure. Allez, Dorante, tenez-vous en repos. Fussiez-vous l'homme du monde qui me convainc le moins, vous resteriez. Dans cette occasion-ci, c'est à moi-même que je dois cela.
Je me sens offensée du procédé qu'on a avec moi. Et je vais faire dire à cet homme d'affaires qu'il se retire. Que ceux qui l'ont amené sans me consulter le ramènent. Et qu'il n'en soit plus parlé. Ne vous pressez pas de le renvoyer, madame. Voilà une lettre de recommandation pour lui. Et c'est monsieur Dorante qui l'a écrite. Comment ? Un instant, madame. Cela mérite d'être écouté. La lettre est de monsieur, vous dis-je. Je vous conjure, mon cher ami, d'être demain sur les 9 heures du matin chez vous. J'ai bien des choses à vous dire. Je crois que je vais sortir de chez la dame que vous savez. Elle ne peut ignorer la malheureuse passion que j'ai prise pour elle. De la passion ? Entendez-vous, ma fille ? Et dont je ne guérirai jamais. Misérable ouvrier que je n'attendais pas, est venu ici pour m'apporter la boîte de ce portrait que j'ai fait d'elle. C'est-à-dire que le personnage sait peindre. Il était absent, il l'a laissé à une fille de la maison. Fille de la maison ? Cela vous regarde ? On a soupçonné que ce portrait m'appartenait. Ainsi, je pense qu'on va tout découvrir. Et qu'avec le chagrin d'être renvoyée et de perdre le plaisir de voir tous les jours celle que j'adore. Que j'adore. Ah, que j'adore. J'aurai encore celui d'être méprisée d'elle. Je crois qu'il n'a pas mal deviné celui-ci, ma fille. Méprisée d'elle, non pas à cause de la médiocrité de ma fortune, sorte de mépris dont je n'oserais la croire capable. Et pourquoi non ? Mais seulement du peu que je vaux auprès d'elle, tout honoré que je suis de l'estime de tant d'honnêtes gens. En vertu de quoi ? L'estime-t-il tant ? Auquel cas, je n'ai plus que faire à Paris. Vous êtes à la veille de vous embarquer. Et je suis déterminé à vous suivre. Bon voyage au galant. Le beau motif d'embarquement. Eh bien, ma fille, en avez-vous le cœur net ? L'éclaircissement m'en paraît complet. Quoi ? Cette lettre n'est pas d'une écriture contrefaite. Vous ne la niez point ? Madame. Retirez-vous. Eh bien, quoi ? C'est de l'amour qu'il a. Ce n'est pas d'aujourd'hui que les belles personnes en donnent. Et tel que vous le voyez, il n'en a pas pris pour toutes celles qui auraient bien voulu lui en donner. Cet amour-là lui coûte 15 000 livres de rente. Sans compter les mers qu'il veut courir. Voilà le mal. Car au reste, s'il était riche, le personnage en vaudrait bien un autre. Il pourrait bien dire qu'il adore. Et cela ne serait point si ridicule. Accommodez-vous. Au reste, je suis votre serviteur, madame.
fera-t-on monter l'intendant que monsieur le comte a amené, madame? N'entendrai-je parler que d'intendant? Allez-vous-en! Vous prenez mal votre temps pour me faire des questions. Mais ma fille, elle a raison. C'est monsieur le comte qui en répond. Il n'y a qu'à le prendre. Et moi, je n'en veux point. Et ça cause qu'il vient de ma part, madame. Vous êtes le maître d'interpréter, monsieur, mais je n'en veux point. Vous vous expliquez là-dessus d'un air de vivacité qui m'étonne. En effet, je ne vous reconnais pas. Mais qu'est-ce qui vous fâche? Où? On s'y est mal pris. Il y a dans tout ceci des façons si désagréables, des moyens si offensants que tout m'en choque. On vous entend point. Quoique je n'ai aucune part dans ce qui vient de se passer, je ne m'aperçois que trop, madame, que je ne suis pas exempt de votre mauvaise humeur. Et je serais fâché d'y contribuer davantage par ma présence. Non, monsieur, je vous suis. Ma fille, je retiens monsieur le comte. Vous allez venir nous trouver, apparemment. Vous n'y songez pas, Araminte? On ne sait que penser. Enfin, madame, à ce que je vois, vous en voilà délivré. Qu'il devienne tout ce qu'il voudra. À présent, tout le monde a été témoin de sa folie. Et vous n'avez plus rien à craindre de sa douleur, il ne dit mot. Au reste, je viens seulement de le rencontrer plus mort que vif qui traversait la galerie pour aller chez lui. Vous auriez trop ri de le voir soupirer. Il m'a pourtant fait pitié. Je l'ai vu si défait, si pâle et si triste, que j'ai eu peur qu'il ne se trouve mal. Et qu'on aille donc voir, quelqu'un l'a-t-il suivi? Que ne le secouriez-vous? Faut-il le tuer, cet homme? J'y ai pourvu, madame. J'ai appelé Arlequin qui ne le quittera pas. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'arrivera rien. Voilà qui est fini. Je ne suis venu que pour vous dire une chose. C'est que je pense qu'il demandera à vous parler. Et je ne conseille pas à madame de le voir davantage. Ce n'est pas la peine. Ne vous embarrassez pas. Ce sont mes affaires. En un mot, vous en êtes quitte. Et cela par le moyen de cette lettre qu'on vous a lue. Et que mademoiselle Marton a tirée d'Arlequin. Par mon avis. Quoi? C'est à vous que j'ai l'obligation de la scène qui vient de se passer? Oui, madame. Méchant valet. Ne vous présentez plus jamais devant moi. Hélas, madame, j'ai cru bien faire. Allez, malheureux. Il fallait m'obéir. Je vous avais dit de ne plus vous en mêler. Vous m'avez jeté dans tous les désagréments que je voulais éviter. C'est vous qui avez répandu tous les soupçons qu'on a eus sur son compte. Et ce n'est pas par attachement pour moi que vous m'avez appris qu'il m'aimait. Non. Ce n'est que par le plaisir de faire du mal. Il m'importait peu d'en être instruite. C'est un amour que je n'aurais jamais su. Et je le trouve bien malheureux d'avoir eu affaire à vous. Lui qui a été votre maître, qui vous affectionnait, qui vous a bien traité, qui vient tout récemment encore de vous prier à genoux de lui garder le secret. Vous l'assassinez, vous me trahissez moi-même. Que je ne vous vois jamais. Et bonne réplique! Mmh.
La manière dont vous m'avez renvoyée il n'y a qu'un moment me montre que je vous suis désagréable, madame. Et je crois vous faire plaisir en vous demandant mon congé. Je vous le donne. Votre intention est-elle que je sorte dès aujourd'hui, madame? Comme vous voudrez. Cette aventure-ci est bien triste pour moi. Point d'explication, s'il vous plaît. Je suis au désespoir. Est-ce que vous êtes fâchée de vous en aller? Eh bien, restez. Restez, mademoiselle. J'y consens, mais finissons. Après les bienfaits dont vous m'avez comblée, que ferais-je à présent auprès de vous? Maintenant que j'ai perdu votre confiance, que je vous suis suspecte. Et que voulez-vous que je vous confie? Inventerai-je des secrets pour vous les dire? Il est pourtant vrai que vous me renvoyez, madame. D'où vient ma disgrâce? Mais elle est dans votre imagination. Vous me demandez votre congé, je vous le donne. Madame. Comment avez-vous exposé au malheur de vous déplaire? J'ai persécuté par ignorance l'homme du monde le plus aimable, qui vous aime plus qu'on n'a jamais aimé. Hélas. Et à qui je n'ai rien à reprocher, car il vient de me parler. J'étais son ennemi et je ne la suis plus. Il m'a tout dit. Il ne m'avait jamais vue. C'est Monsieur Rémy qui m'a trompée. Et j'excuse de rendre. À la bonne heure. Pourquoi m'avez-vous abandonné au hasard d'aimer un homme qui n'est pas fait pour moi, qui est digne de vous, et que j'ai jeté dans une douleur dont je suis pénétrée? Tu l'aimais donc, partons. Laissons là mes sentiments. Rendez-moi votre amitié comme je l'avais, et je serai contente. Mais je te la rends. Je te la rends tout entière. Me voilà consolée. Non. Non, Marton, tu ne l'es pas encore, tu pleures. Et tu m'attendris. N'y prenez point garde. Rien ne m'est si cher que vous. Va. Je prétends bien te faire oublier tous tes chagrins. Je crois que voici Arlo. Que veux-tu? Je serais bien en peine de vous le dire, madame. Je suis dans une détresse qui me coupe entièrement la parole à cause de la trahison que mademoiselle Marton m'a faite. Oh, quelle ingrate perfidie! Laisse-la ta perfidie et nous dis ce que tu veux. Cette malheureuse lettre, quelle trahison! Dis donc! C'est Monsieur Dorante qui vous demande à genoux de venir ici vous rendre compte de ma prince qu'il a tenue entre ses mains depuis qu'il est ici. Il m'attend à la porte. Il pleure. Dis-lui qu'il vienne. Oh, le voulez-vous, madame? Car je ne la crois pas. Je tombe une fois affronté, je n'en reviens point. Parlez-lui, madame. Je vous laisse. Madame, vous ne me répondez pas. Madame. Il peut venir. Approchez donc.
Je n'ose paraître devant vous. Pourquoi vouloir me rendre compte de mes papiers? Je m'en fie bien à vous. Ce n'est pas là-dessus que j'aurai à me plaindre. Madame, j'ai autre chose à vous dire. Je suis si interdit, si tremblant que je ne saurais parler. Un de vos fermiers est venu tantôt, madame. Un de mes fermiers, oui, cela se peut bien. Oui, madame, il est venu. Je n'en doute pas. Et j'ai de l'argent à vous remettre. De l'argent? Nous verrons. Quand il vous plaira, madame, de le recevoir. Oui, je le recevrai. Vous me le donnerez. Ne serait-il pas temps de vous l'apporter ce soir ou demain, madame? Demain, dites-vous? Mais comment vous garder jusque-là, après ce qui est arrivé? Madame, de tout le temps de ma vie que je vais passer loin de vous, je n'aurai plus que ce seul jour qui m'en serait précieux. Il n'y a pas moyen de rendre, il faut se quitter. Hélas, madame, que je vais être à plaindre. On sait que vous m'aimez, l'on croirait que je n'en suis pas fâchée. J'ai tout perdu. J'avais un portrait et je ne l'ai plus. À quoi vous sert de l'avoir? Vous savez peindre? Je ne pourrais de longtemps m'en dédommager, madame. D'ailleurs, celui-ci m'aurait été bien cher. Il a été entre vos mains. Mais vous n'êtes pas raisonnable. Madame, je vais être éloigné de vous. Vous serez assez vengé. N'ajoutez rien à ma douleur. Vous donnez mon portrait. Mais songez-vous que ce serait avoué que je vous aime. Que vous m'aimez? Quelle idée, madame. Qui pourrait se l'imaginer? Mais voilà pourtant ce qui m'arrive. Je ne sais plus où je suis. Vous verrez votre choix. Levez-vous. Dorante. Je ne la mérite pas. Cette joie me transporte, mais je ne la mérite pas, madame. Vous allez me l'ôter, mais qu'importe, il faut que vous soyez instruite. Que voulez-vous dire? Dans tout ce qui s'est passé chez vous, il n'y a rien de vrai que ma passion qui est infinie et que le portrait que j'ai fait. Tous les incidents qui sont arrivés partent de l'industrie d'un domestique qui savait mon amour, qui m'en plaint, qui, par le charme de l'espérance, du plaisir de vous voir, m'a pour ainsi dire forcé de consentir à son stratagème. Il voulait me faire valoir auprès de vous. Voilà, madame, ce que mon respect, mon amour et mon caractère ne me permettent pas de vous cacher. J'aime encore mieux regretter votre tendresse que de la devoir à l'artifice qui me l'a acquise. J'aime mieux votre haine que le remords d'avoir trompé celle que j'adore. Si j'apprenais cela d'un autre que de vous, je vous haïrais sans doute. Mais l'aveu que vous m'en faites vous-même dans un moment comme celui-ci change tout. Ce trait de sincérité me charme, me paraît incroyable, et vous êtes le plus honnête homme du monde, après tout. Puisque vous m'aimez véritablement, ce que vous avez fait pour gagner mon cœur n'est point blâmable. Il est permis à un amant de chercher les moyens de plaire et on doit lui pardonner lorsqu'il a réussi. Quoi? La charmante Araminte daigne me justifier? Voici le comte avec ma mère. Ne dites mot et laissez-moi parler. Ah! Le voilà encore. Oui, ma mère.
monsieur le comte. Il était question de mariage entre vous et moi, il n'y faut plus penser. Vous méritez qu'on vous aime et mon cœur n'est point en état de vous rendre justice. Je ne suis pas d'un rang qui vous convient. Quoi donc ? Que signifie ce discours ? Je vous entends, madame. Et sans l'avoir dit à madame, je songeais à me retirer. J'ai deviné tout. Dorante n'est venu chez vous qu'à cause qu'il vous aimait. Il vous a plu. Vous voulez lui faire sa fortune, voilà. Tout ce que vous alliez dire. Je n'ai rien à ajouter. La fortune ? À cet homme-là ? Il n'y a plus que le sujet de notre discussion que nous réglerons à l'amiable. J'ai dit que je ne plaiderai pas. Je tiendrai parole. Vous êtes bien généreux. Envoyez-moi quelqu'un qui en décide et ce sera assez. Maudit intendant. Qu'il soit votre mari, tant qu'il vous plaira. Mais il ne sera jamais mon gendre. Laissons passer sa colère et finissons. Oh. Oh. Ma gloire m'accable. Je mériterais bien d'appeler cette femme-là ma bru. Mmh. Oh. Oh, bah. Oh, vas-y. Mais, pardi, nous nous moquons bien de ton tableau à présent. L'original nous en fera bien d'autres copies.